ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أعادنا الله منها. طيب أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتدارس إن شاء الله تبارك وتعالى بابا جديدا من أبواب هذا الكتاب، وهذا الباب يعني لم يصنفه المؤلف في التبعة الأولى، نعم، فأدرجه في هذه التبعة، التبعة الثانية. وهذا الباب تابع للباب الذي سبقه، وسماه المؤلف وجوب التحذير من الكتب المشتملة على البدع. نعم. Donc mes frères, nous entamons un nouveau chapitre, inshallah. Parmi les chapitres de ce livre, ce chapitre-là est dans la continuité du chapitre précédent. Non. En tant que chapitre indépendant, il n'existait pas dans la première édition du livre. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'a rajouté l'auteur dans la deuxième édition, c'est-à-dire dans la dernière édition de ce livre. Et comme je vous l'ai dit, il vient dans la continuité du chapitre précédent. Donc il est tout aussi important. Okay. Ce chapitre, c'est Wujub al-Tahdhir min al-Kutub al-Mujtamilati 'ala al-Bid'ah. Ce qui signifie l'obligation de mettre en garde contre les livres renfermant des innovations religieuses. Nous avions parlé, rappelez-vous, de la mise en garde contre les innovateurs, de la mise en garde contre le fait de prendre part à leurs assises, de s'asseoir avec eux, de les écouter, de prendre de leur science, mais il en est de même aussi de lire leurs livres. Naam, c'est tout aussi préjudiciable. يقول المؤلف توحيد مصدر التلقي وتوحيد مصدر الفهم سبب الاتحاد والاجتماع والائتلاف والتحاب، لأنه يجعل الدين واضحا بينا لا لبس فيه ولا غموض، وبدون ذلك يقع الاختلاف والافتراق في الدين وتحدث الرغبة عنه والنفور منه. Donc en titre d'introduction sur ce chapitre là, l'auteur du livre dit: l'unification des sources de législation de la religion et l'unification concernant les sources de la compréhension est une cause d'unification, de regroupement, d'union et d'amour les uns envers les autres. D'accord ? Nous avions vu déjà ceci, nous avions étudié ceci, que les gens de la Sunna prennent leur religion d'une source unique, qui est le livre d'Allah, la Sunna du prophète, selon la compréhension des Sahaba, ou d'une manière générale des pieux prédécesseurs. C'est en ceci que, à travers les époques et à travers les lieux, ils reflètent une même croyance, des mêmes propos, des mêmes actes, bien qu'ils ne se connaissent pas, bien qu'ils ne se sont jamais côtoyés, bien qu'ils n'ont pas été contemporains les uns envers les autres, mais du fait qu'ils prennent tous de la même législation, ils se reflètent de leurs propos et de leurs agissements la même chose. La même croyance, etc. C'est un des signes distinctifs des gens de la Sunna, contrairement aux gens de l'innovation. En dehors de ceci, la divergence et la division dans la religion surviennent.
provoquant un éloignement d'elle ainsi qu'une répugnance et une aversion. Ça aussi, mes frères, nous l'avions expliqué en détail dans des chapitres précédents, c'est que à chaque fois que l'on s'écarte des sources de législation du livre d'Allah et de la sunna du prophète en faisant prévaloir soit la raison sur les textes religieux, soit les passions, ça nous amène forcément à avoir de l'aversion et de la répugnance sur la révélation en elle-même. Si je mets en avant mes passions, qui sont contraires au livre d'Allah et à la sunna du prophète, alors je vais être amené à avoir de l'aversion et de la haine sur ce qu'Allah a descendu, tabaraka wa ta'ala. Il en est de même pour ceux qui font prévaloir leur raison sur les textes religieux. وَقَدْ حَذَّرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ تَرِيقَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ لَبْسِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَتَحْرِيفِ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِ فَقَالَ تَعَالَى وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ce verset où Allah dit tabaraka wa ta'ala, c'est le verset de surat Ali Imran, verset 78. Et il y a parmi eux, Allah s'adresse, ou plutôt parle des gens du livre et leur dit, et nous dit, il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient pas d'Allah, et ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Concernant ce verset coranique, mes frères, je vous ai ramené l'explication de l'imam Abdurrahman ibn Sa'adi, donc qui ne se trouve pas dans le livre, mais qui vient nous expliquer un petit peu ce verset coranique. L'imam Sa'adi nous dit, Allah le Très-Haut nous informe que parmi les gens du livre, un groupe roule leur langue. Yalwun al-sinatahum. Ils roulent leur langue en lisant le livre, c'est-à-dire, ils déforment sa lecture, changeant par là même le sens voulu. Ceci comprend la torsion des termes et la transformation du sens. Car le sens voulu, et ceci on l'avait vu mes frères, lorsque Jahm ibn Safwan lisait le verset coranique suivant, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et Allah a parlé à Moussa de vive voix. Donc c'est un verset coranique où Allah nous prouve qu'il s'est attribué l'attribut de la parole. Non ? Mais Jahm ibn Safwan, dans sa croyance déviée et déviante, ne reconnaissait pas les attributs divins. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a exactement fait ce que faisaient les gens du livre. Il a roulé sa langue en disant « Wa kallama Allah Musa taklima » alors que le verset originel c'est « Wa kallama Allahu ». Cette différence dans le tashkil, dans la vocalisation du terme, elle change carrément le sens. Car si on lit le verset comme l'a lu Jahm ibn Safwan, ceci signifie alors « Et certes Musa a parlé à Allah et non plus Allah a parlé à Musa ». Vous voyez, tout ça afin de corroborer, d'appuyer, de justifier sa croyance dans le reniement des attributs divins. Donc l'imam Sa'adi, il dit, changeant par là même le sens voulu, ceci comprend la torsion des termes et la transformation du sens. Car en fait, quand Allah il parle du livre, et la préservation du livre, c'est la préservation de ses termes et de sa non-altération, la compréhension de ses sens, et pouvoir prodiguer ses sens ou transmettre ses sens à autrui. Ce verset-là, mes frères, il est descendu sur les gens du livre, mais il est applicable aussi concernant le Coran. Les personnes qui s'adonnent à des agissements ou à des actes comparables aux gens du livre ou à un groupe des gens du livre, quant à l'approche des versets coraniques, quant à l'approche de leur livre plutôt, ils sont équivalents aussi dans le péché. Le même Sa'adi, il continue, il dit, quant à ceux-là, ils ont inversé ces injonctions divines, c'est-à-dire la préservation du livre, des sens du terme, des termes et des sens du terme. Et ils ont fait comprendre autre que le sens voulu, soit par allusion, soit par explication claire ou explicitement. Par allusion dans la parole d'Allah, pour vous faire croire que cela provient du livre, c'est-à-dire qu'ils tournent leur langue en faisant croire que ceci est le sens voulu du livre d'Allah. Ça, c'est par allusion. Et ta'rid.
Ou alors explicitement en disant, et ils disent ceci vient d'Allah alors qu'il ne vient pas d'Allah, et ils profèrent sciemment des mensonges sur Allah. Ceci est un crime, ça c'est la parole d'Imam Sa'di. Ceci est un crime plus grave que de parler sur Allah sans science. Le fait de mentir et d'attribuer à Allah des propos sciemment, avec préméditation, c'est plus grave que de parler sur Allah sans science. Pour quelle raison ? L'imam Sa'di nous dit, cela ment sciemment sur Allah. Ils ont réuni le rejet du sens véridique et l'affirmation du sens invalide. Là ? Et ils ont attribué au terme indiquant la vérité un sens perverti et incorrect, et ceci avec préméditation ou sciemment. C'est exactement ce que font aussi les gens de l'innovation, à plus ou moins grande échelle. وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. La traduction de ce verset, où Allah dit tabaraka wa ta'ala, ô messager, que ne t'afflige pas ceux qui concourent en mécréance parmi ceux qui ont dit nous avons cru avec leur bouche sans que leur cœur ait jamais cru. Et parmi les juifs qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établis. Et c'est pour ça ici que le Mu'allif a rapporté ce verset coranique et qui déforment le sens des mots une fois bien établis. Ils disent, si vous avez reçu ceci, prenez-le. Et si vous ne l'avez pas reçu, soyez méfiants. Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. Voilà ceux dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs. À eux seront réservés une ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans le-delà. Taïb. Vous voyez bien que mes frères, que parmi les juifs, justement, ils prenaient du livre ou de leur livre ce qui confortait leur passion. Et ils délaissaient ce justement qui ne confortait pas leur passion. De même, lorsqu'ils ont fait appel au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour juger un différent sur eux. Car celui qui commet l'adultère, ou la fornication, il y a des peines, des sanctions légales ou des peines corporelles qui se trouvent dans la Torah, dont les Juifs étaient soumis. Donc ils devaient revenir à leur livre. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit ces Juifs ? Ils ont dit, on va écouter le jugement du prophète. Si le jugement du prophète nous conforte dans ce qu'on veut, c'est-à-dire la non-lapidation, alors on suivra son avis. Par contre, s'il vient conforter le prophète, s'il vient conforter ce qu'il y a dans la Torah, alors il faudra se méfier de lui. Non. C'est ce qu'on appelle en arabe at-tala'ub bil ahkam shar'iyya. C'est le fait de jouer avec les lois divines. Non. L'imam Sa'di concernant ce verset dit hadhihi fitnatun wa ittiba'un ma tahwi al-anfus. Ceci est une fitna, non, ou une tentation ou un trouble. Et c'est un suivi de ce que souhaitent les passions. Ils ne font suivre que leurs passions dans ceci. Donc les musulmans doivent être à l'opposé de ceci concernant l'approche des textes religieux. Ils nous ont demandé de nous soumettre aux textes religieux et non pas de jouer et de prendre que ce qui conforte nos passions. L'auteur du livre, يقول المؤلف وطريقة السلفي في التعامل مع كتب أهل الأهواء والكتب المشتملة على البدع أن يترك النظر فيها وأن يحذر منها مع الحكم بوجوب إتلافها. Donc ça c'est important mes frères. Cheikh Raslan dit حفظه الله, quant à la méthodologie des salafs dans leur approche des livres des gens de la passion,
les gens de la passion, les gens de l'innovation. Des livres renfermant les innovations, c'est de les délaisser, de délaisser leur lecture, de mettre en garde contre eux en considérant l'obligation de les détruire. Non? Donc il y a plusieurs choses ici. Le fait de ne pas regarder dans les livres des gens de l'innovation, ni feuilleter ces livres par curiosité, ni les regarder en s'appuyant sur ces livres pour faire des recherches ou des études, ni s'appuyer dessus pour appuyer des propos ou des convictions qu'on aurait. En plus de ça, il nous dit de détruire ces livres. Et tlafu tilka al-kutub al-munharifa. Détruire ces livres. Comme on va rapporter plusieurs paroles de salaf quant à ce principe. Et au final, mettre en garde contre eux, contre ces livres-là. Hein? Faut savoir une chose, mes frères, c'est que on avait montré l'importance de mettre en garde contre les gens de l'innovation. Hein? Et de mettre en garde contre les innovations elles-mêmes. Mais aussi l'importance et la gravité des livres des gens de l'innovation. Et l'obligation de mettre en garde contre eux, ces livres-là. Car il faut savoir une chose, d'une manière générale, les livres des gens de l'innovation, ils sont beaucoup plus dangereux que les paroles ou des propos des innovateurs eux-mêmes, ou des auteurs de ces livres-là. Car une personne qui rédige un livre, il va rédiger son livre, il va mettre du temps à le rédiger, il va employer les meilleurs termes, il va ordonner toute sa méthodologie, tout son concept, toute sa conception ou toute son idéologie, de telle sorte que elle va avoir un rendu qui aura de l'effet. Non? C'est pour ceci que ces livres-là ont égaré beaucoup de gens derrière eux. Le deuxième danger des livres par rapport aux paroles des innovateurs eux-mêmes, c'est que les livres, ils perdurent dans le temps. Les livres, ils perdurent dans le temps. Des livres qui ont été écrits et rédigés il y a presque 1400 ans, ils sont encore en vente. Ils sont encore, à notre époque, comment dire, édités, vendus, échalandés, non, propagés. Et ceci même en France, comme vous le savez tous. Donc, les innovations religieuses, elles traversent les temps, elles traversent le temps aussi, elles traversent les lieux et les époques. Donc, l'importance de mettre en garde contre eux les livres des innovateurs. Puis le mu'allif, il dit, وَاتِّبَاعُ سَبِيلِ السَّلَفِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ كُتُبِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ سَبِيلُ السَّلَامَةِ مِنْ انْحِرَافِ الْقَصْدِ عَنْ جَادَّةِ الْحَقِّ وَتَلِيقُ النَّجَاةِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي التَّبْدِيلِ الشَّرْعِ وَتَحْرِيفِ الدِّينِ وَمَسْخِ مَعَالِمِ الْمِلَّةِ لأن ترك تلك الكتب بين أيدي الناس مدعاة لبث السموم أهل الأهواء بين الناس خاصة إذا كانوا ممن يحسنون عرض ما لديهم ويزينون الباطل بالأساليب الحسنة والعبارات الغرائقة. C'est ce que dit Cheikh Raslan. Il dit, suivre la voie des salaf dans leur approche des livres des gens de la passion est la voie sûre qui te préservera de la déformation du sens véridique, c'est la voie de sauvetage contre l'altération de la charia et de la religion, c'est la voie de sauvetage contre la défiguration des repères religieux. Car l'abandon de ces livres aux mains des gens est une invitation à l'injection du poison des gens de la passion parmi les gens. Non? Il est clair et net, mes frères, que si vous laissez des livres, des gens de la passion, aux mains des ignorants, alors c'est comme si vous les invitez justement à s'égarer. Car ils n'auront pas le recul et la science nécessaire pour distinguer le vrai du faux, la sunna de la bid'ah dans ces livres-là. C'est ce que dit ici le mu'allif. Donc c'est une invitation justement à l'injection du poison que contient ces livres-là. Surtout s'ils font partie, les auteurs de ces livres, surtout s'ils font partie de ceux qui excellent dans l'exposition de ce qu'il y a en eux. Non? Surtout si ce sont de grands
écrivains, de grands orateurs, des gens, ce qu'on appelle les gens de la plume, hein, qui savent avec leur plume embellir le faux du vrai. Embellissant le faux à l'aide de jolies figures de style ou de splendides expressions. Non. Donc le danger, mes frères, il est palpable. وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَمُتَهَوِّقُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيدي لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. C'est un hadith que vous connaissez tous, où le prophète a dit à cette wassalam, ou plutôt le mu'alif dit la base de ceci, c'est-à-dire de l'égarement que peut occasionner les livres des gens de la passion. Il dit la base de ceci, le hadith de Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhuma. Omar ibn al-Khattab vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un livre récupéré de certains des gens du livre. Et lorsque le prophète le vit avec ce livre-là, il se mit en colère, alayhi salatu wa sallam. Puis il dit: êtes-vous perplexe quant à elle, ô Ibn al-Khattab? Il dit, êtes-vous perplexe quant à elle? C'est-à-dire, êtes-vous perplexe quant à la charia, quant à la voie que je vous ai ramenée? Ya Ibn al-Khattab. Et là, il s'adresse à Omar, avec sa colère. Par celui qui tient mon âme dans sa main, je suis certes venu à vous avec elle, blanche et pure. Ce pronom ici, il revient à la législation de l'islam, sharia. Vous ne les questionnerez, en parlant des gens du livre, sur une chose, et ils vous informeront de la vérité sans que vous ne les traiterez de menteurs, afwan. Ou bien ils vous diront des choses fausses sans que vous ne les croirez véridiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous ramener du vrai, mais vous les croirez, vous les considérerez comme des menteurs. Ou alors des fois, ils peuvent vous ramener du faux, mais vous allez les croire. Comment distinguer le vrai du faux dans ces livres-là qui ont été altérés? Par celui qui tient mon âme dans sa main. Si Moussa était vivant, il n'aurait eu le choix que de me suivre. Si Moussa était vivant, à l'époque du prophète, مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي. Il n'aurait eu le choix que de me suivre. Naam. Ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed ou Ibn Abi Asim fi Sunnah et rendu hadith bon par Cheikhouna al-Albani. Concernant ce hadith, يقول ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله: فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر كتابا اقتتبه من التوراة وأعجبه موافقته للقرآن فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه فكيف لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنة والله المستعان. Ibn al-Qayyim, il dit, écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit dans les mains de Omar un livre qu'il s'est fait copier et provenant de At-Tawrah. Il s'étonna, Omar, des similitudes avec le Coran. Il s'étonna des similitudes qu'il a trouvées dans At-Tawrah avec ce qu'il a trouvé dans le Coran. Donc ça l'a étonné, mais agréablement, on va dire. Le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam blêmit de rage jusqu'à ce que Omar par la suite prit le livre et le jeta dans le four pour le brûler. Qu'en est-il,
Regardez, ça, c'est la parole d'Ibn al-Qayyim. Écoutez bien. Qu'en est-il si l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait vu ce qui est écrit après lui et après sa mort, comme livre se contrevenant et s'opposant au Coran et à la Sunna, et Allah est celui duquel nous implorons l'aide. Imaginez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère car il a vu un livre qui avait des similitudes avec le Coran dans la main de Omar ibn Khattab. Qu'en est-il alors des livres qui ont été rédigés, propagés après sa mort, dont la plupart ne contiennent que du faux, et que des déviances? Imaginez-vous un petit peu la réaction qu'aurait eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam face à ces livres. Donc ce hadith-là, mes frères, il nous montre clairement que l'on doit se détacher de tous les livres des gens de l'innovation et, d'une manière générale, des gens de la déviance parmi les livres des mushrikin, des kuffars, des philosophes, des innovateurs et autres. Non. Mes frères, on vit à une époque actuellement où on est submergé par justement par ce genre de livres. Même si ce ne sont pas des livres physiques qu'on trouve dans les maktabas, dans les librairies ou dans les bibliothèques, mais on le retrouve sur Internet. Non. C'est à la portée de tout le monde. En un seul clic, on peut avoir, en l'espace de 1 seconde, 2 secondes, on peut avoir tous les écrits à portée de main. Non. Donc, la fitna, le danger, il est devant nous. Il est palpable. Donc, c'est à nous de prendre du recul et de pouvoir se comporter face à ces livres-là comme se sont comportés nos pieux prédécesseurs. C'est entre autres l'objet de ce chapitre. Non. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد المعاد عند قول كعب بن مالك رضي الله عنه فتيممت بالصحيفة التنور وفيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمدغرة في الدين وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره وهذا كالعصير إذا تخمر وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشغر فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. Donc ici, Ibn al-Qayyim, il nous donne le hukm al-shar'i, c'est-à-dire la règle religieuse concernant ces livres de l'innovation. Que faut-il en faire? Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on peut les propager? Est-ce qu'on peut les prêter? Est-ce qu'on peut les offrir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il nous dit dans Zad al-Ma'ad, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, sur la parole de Ka'b ibn Malik, qui avait dit: je me suis dirigé avec les feuilles vers le four. Il en ressort l'empressement de détruire ce dont on redoute le mal. La corruption et le préjudice dans la religion. Celui qui est ferme, al-Hazim, celui qui est ferme concernant ces principes-là, n'attend pas et ne retarde pas la chose. Ceci est comparable au jus lorsqu'il fermente. Si on le laisse, il fermente, il devient de l'alcool. Naam. Et ça devient haram. Donc on n'attend pas qu'il fermente. De même, ces livres-là, c'est l'image que donne Ibn al-Qayyim. Ou comme le livre dont on redoute son contenu, le préjudice et le mal, la décision ferme à adopter est de s'empresser de le détruire et de l'anéantir. Le brûler ou autre. Naam. Afin qu'il ne soit pas une cause de mal pour les autres. L'imam al-Zahabi, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, yaqul: تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء ولكن أكثر ذلك منقاطع وضعيف وبعضه كذب وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتسوى القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم
وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء. Parole très importante de l'imam al-Zahabi qui dit: il a certes été réitéré le fait de s'abstenir de parler, de lire, de discuter sur les différences entre les compagnons. Nan, yani fi ma shajara bayna sahaba, c'est-à-dire les conflits qu'il y a eu entre eux. On ne doit pas en faire des objets de discussion, non, comme c'est connu chez les gens de la Sunna. Qu'Allah les agrée tous. Alors que ceci ne cesse d'être enregistré dans les livres et les feuillets. Non. Vous retracez les livres d'histoire. Non. Vous trouvez ceci. Vous retracez les livres d'Ahl Bida qui prennent justement ces conflits qu'il y a eu entre Sahaba pour prendre parti. Hein? Prendre parti pour Ali, prendre parti pour Muawiyah, prendre parti pour un tel et un tel, ce qui amène au final à dénigrer une grande partie des Sahaba. Ceci ne fait pas partie du comportement adopté chez les gens de la Sunna. Walakin l'imam al-Zahabi dit, bien que cette chose-là, ce principe-là, il a été réitéré plusieurs fois, le fait de ne pas rentrer dans les conflits qu'il y a eu entre Sahaba, walakin ceci a été enregistré dans les livres. Ceci a été compilé dans les livres. Et comme je vous l'ai dit, les livres, ils traversent les époques. Non? Alors, qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Zahabi? Il dit, mais la plupart de ces récits sont tronqués et faibles. Et d'autres sont mensongers carrément. Et ceci est ce qui se trouve entre nos mains et ceux de nos savants. Il est donc nécessaire de les plier, de plier ces feuillets, de les cacher, même de les détruire, afin que les cœurs se purifient et aient des égards envers les compagnons, et qu'ils aient aussi ce qu'on appelle taraddi anhum, c'est-à-dire qu'ils portent de l'agrément envers eux. La dissimulation de ceci, de ces livres-là, ou de ces livres qui traitent de ces différends entre les sahaba, concerne l'ensemble des gens et des savants. C'est-à-dire c'est une responsabilité générale sur tout le monde. Non? يقول ابن مفلح والإمام ابن القيم والإمام الذهبي والإمام ابن مفلح tout ça c'est des élèves de Cheikh Islam ibn Taymiyyah, c'est des contemporains. وقال ابن مفلح رحمه الله وذكر الموفق رحمه الله في المنع من النظر في كتب المبتدعة فقال وكان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم. Ibn Muflih dit, citant Al-Muwaffaq, rahimahullah, concernant l'interdiction de lire les livres des innovateurs, il dit, les salafs, sahaba et ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, interdisaient l'assise avec les gens d'innovation, le fait de lire, de scruter ou de feuilleter leurs livres et d'écouter leurs propos. Non? Les salafs, ils étaient comme ça, mes frères. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أو ذكر حكم إتلاف كتب أهل البدع والضلال فقال لا ضمان في تحريف الكتب المضلة وإتلافها. قال الموردي قلت لأحمد استعرت كتابا فيه أشياء رديئة ترى أن أحرقه أو أحرقه. قال نعم. Il dit Ibn al-Qayyim, où il cite le jugement quant à la destruction des livres des innovateurs et égarés. Il dit, il n'y a aucune caution, ce qu'on appelle en arabe al-daman. Lorsque par exemple, je casse ou je détruis une chose appartenant à quelqu'un. Je dois réparer mon tort. Hein? Or ici, Ibn al-Qayyim il dit, il n'y a aucune caution à payer dans l'altération des livres égarants et dans leur destruction. Non. Si vous voyez des livres de Ahl Bida et que vous les détruisez, vous n'avez pas de daman à payer, de caution à payer. Al-Mawardi dit, j'ai dit à Ahmed ibn Hanbal, j'ai emprunté un livre comprenant des choses répréhensibles. Vois-tu si je dois le déchirer ou le brûler? Il dit oui, déchire-le ou brûle-le. Al-Maqsoud, le sens de ceci, anna hadhihi al-kutub المشتملة على الكذب والبدعة
يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف الآلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر، فإن ضررها أعظم من ضرر هاره، ولا ضمان في كسر أواني الخمر والشق زقاقه. Donc ici c'est un qiyas. Ibn al-Qayyim dit, les livres renfermant le mensonge et l'innovation, il est obligatoire de les détruire et de les anéantir. Obligatoire, obligation religieuse. Et ceci a plus forte raison que la destruction des instruments de musique et des récipients de vin. Al-Qiyas ici, l'analogie elle est là ici. Hein? Comme il est obligatoire de détruire les instruments de musique et les récipients de vin. Hein? Le préjudice occasionné par ces premiers, c'est-à-dire par les innovations religieuses, par les livres des innovateurs, est plus grand que le préjudice occasionné par ces derniers, par la musique et le vin. Il n'y a aucune caution à payer concernant le bris des récipients de vin et le déchirement de ses outres. Vous avez compris les frères? C'est quelque chose qui est connu dans la jurisprudence, c'est que il n'y a aucune caution à payer lorsqu'on casse un instrument de musique ou alors qu'on brise une outre de vin. Pourquoi? Car ça occasionne derrière un mal. Vous avez compris? Donc il n'y a aucune caution à payer ceci. Donc par analogie, le fait de détruire les gens, les livres des gens d'innovation aussi, il n'y a aucune caution à payer. Car le mal, il est encore plus grand. L'innovation religieuse, elle est encore plus grave que le simple fait de boire du vin ou d'écouter de la musique. Non? Comme on l'avait déjà vu, l'ambiguïté religieuse, elle est plus dangereuse pour la personne qu'une passion. Non? On l'avait déjà expliqué ça, les frères. Une personne qui est plongée dans les ambiguïtés religieuses, elle est persuadée que ce qu'elle fait, c'est bien, c'est un acte d'adoration par lequel elle se rapproche d'Allah. Là, donc, il n'a pas l'esprit de se repentir vers Allah. Contrairement à celui qui boit du vin et qui écoute de la musique. Il sait qu'il fait un péché, ça l'amènera, Inch'Allah, un jour ou l'autre à se repentir. Vous voyez que le degré de gravité, ce n'est pas le même. Les ambiguïtés religieuses qui découlent des innovations religieuses, elles sont beaucoup plus graves et préjudiciables pour la personne que les péchés, fussent-ils aussi graves que le fait de s'adonner au vin et d'écouter la musique. قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول سلام بن أبي مطيع من الثقات حدثنا عنه ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ثم قال أبي كان أبو عوانة وضع كتابا فيه يعيب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بلايا فجاءه سلام بن أبي مطيع فقال يا أبا عوانة أعطني ذاك الكتاب فأعطاه فأخذه سلام فأحرقه قال أبي وكان سلام من أصحاب أيوب وكان رجلا صالحا وعن الفضل بن زياد أن رجلا سأله عن فعل سلام بن أبي مطيع فقال لأبي عبد الله أرجو أن لا يضره ذاك شيئا إن شاء الله فقال أبو عبد الله يضره بل يؤجر عليه إن شاء الله Abdullah ibn Ahmed, c'est le fils de l'imam Ahmed, non, qui était connu aussi pour sa science, a dit, j'ai entendu mon père dire, Salam ibn Abi Mutir, qui est un grand savant de la sunna, fait partie des narrateurs fiables et intègres. Thiqat. Donc c'est un homme dont on prend en considération la narration du hadith. Ibn Mahdi nous a rapporté de lui des narrations. Puis mon père dit, Abu Awan a rédigé un livre dans lequel il critiquait les compagnons du prophète alayhi salam, radiallahu anhu wa sallallahu alayhi wa sallam, et dans lequel il y avait d'autres méfaits. Jusqu'à Salam ibn Abi Mutir viennent et disent, Ya Abu Awan, donne-moi ce livre. Alors Abu Awan lui donna le livre et il le brûla. Mon père dit, Salam faisait partie des compagnons de Ayyub, Ayyub al-Sirtiyani, et c'était un homme
vertueux. D'après le Fadl ibn Ziyad, un homme demanda à l'imam Ahmed au sujet de l'acte de Salam ibn Abi Montia, le fait qu'il a brûlé le livre d'Abi Awan. Il a dit, Ya Aba Abdillah, cet homme-là, il a demandé à l'imam Ahmed, j'espère que ceci ne lui portera pas préjudice, le fait qu'il a brûlé le livre d'Abu Awan. J'espère que ceci ne lui portera pas préjudice, Inch'Allah. Abu Abdillah, l'imam Ahmed lui a répondu, lui porter préjudice, bien au contraire, il sera récompensé, Inch'Allah. C'est un acte par lequel Salam ibn Abi Montir s'est rapproché d'Allah ou a espéré la récompense d'Allah dans ceci. Non? وقال سعيد بن عمرو ابن عمرو البرذعي رحمه الله شهدت أبا زرعة سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال للسائل إياك وهذه الكتب هذه كتب بدع وضلالات. D'après سعيد بن عمرو البرذعي qui a dit je fus témoin que Abu Zur'a fut questionné sur Al-Harith Al-Muhasibi était un homme, était un grand savant, mais qui a dévié en partie vers la philosophie, ilm al-kalam. Donc il fut sous l'avertissement et la mise en garde des savants à son époque, notamment l'imam Ahmed. Il dit, je fus témoin que Abu Zur'a fut questionné sur Al-Harith Al-Muhasibi et ses livres. Il dit au questionneur, Abu Zur'a, prends garde de ces livres. Ce sont des livres de l'innovation et de l'égarement. Il faut savoir une chose, mes frères, c'est que celui qui pose la question, il n'a pas le même niveau de science que nous. Ils ont un niveau de science qui est élevé par rapport à nous. Malgré ceci, les savants, ils sont intransigeants. Il n'y a aucune concession. La seule concession qu'on fera, on va l'expliquer plus tard, c'est pour celui qui vient réfuter ces livres-là. Il aura le droit de les lire et de les feuilleter. Mais dans un but bien précis, pour réfuter sur ces livres-là. Amma les autres, qu'ils soient ignorants ou alors étudiants en sciences au-dessus, alors il lui est interdit de lire ces livres-là. Ibn Mufleh, وقال ابن مفلح رحمه الله تعالى ويحرم النظر فيما يخشى منه الضلال والوقوع في الشك والشبهة. Ibn Mufleh dit, et il résume bien la chose, il est interdit de regarder dans ce dont on redoute l'égarement et la chute dans le doute et les ambiguïtés. Là, cette phrase-là, elle résume en elle tout le cours. Il est interdit de regarder dans, entre parenthèses, les livres dont on redoute l'égarement et la chute dans le doute et les ambiguïtés. Voilà qui, mes frères, celui qui s'adonne à ces choses-là et qui se croit à l'abri, celui qui ouvre des livres des gens d'innovation et qui fait preuve de laxisme par rapport à ce principe-là, cette personne-là ne se rendra même pas compte qu'il va tomber dans les ambiguïtés religieuses. Il est là le danger, mes frères. Il est là le danger. Donc, à titre préventif, c'est en ce sens-là que l'imam Ibn Mufleh, fil Adab al-Shar'iyya, nous dit justement que la personne, il lui est interdit de regarder dans ces livres-là, dans ce genre de livres-là. Non, justement pour ne pas tomber dans ce genre d'ambiguïté et dans le doute, etc., etc. ثم قال ونص الإمام أحمد رحمه الله على المنع من النظر في كتب أهل الكلام والبدع المضلة وقراءتها وروايتها. Il dit l'imam Ibn Mufleh, l'imam Ahmad a certes stipulé, nassan, ça veut dire même par écrit, l'interdiction de regarder dans les livres des philosophes, des innovations égarantes, de les lire et de narrer leur contenu. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير بعد كتب الضلال ثم قال
فالحضارة الحضارة من هذه الكتب، واهربوا بدينكم من شبه الأوائل، وإلا وقعتم في الحيرة. فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية، وليدمن الاستعانة بالله، وليبتهل إلى مولاه في الثبات على الإسلام، وأن يتوفى على إيمان الصحابة والسادة التابعين، والله الموفق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا على إيمان الصحابة والتابعين. الإمام الذهبي أسيتي دانسيار سيار أعلم النبلة certains livres de l'égarement, puis dit « prenez garde de ces livres et fuyez par votre religion de l'ambiguïté des premiers al-awa'il, c'est-à-dire des premiers innovateurs. Sinon, vous tomberez dans l'errance et la perplexité, c'est-à-dire le doute et l'égarement. Celui qui recherche le sauvetage et la réussite se doit de s'accrocher à ses adorations, de persévérer dans la demande de l'aide à Allah tabaraka wa ta'ala, d'implorer son Seigneur dans l'affermissement sur l'islam, de mourir sur la croyance des compagnons et des grands tabi'in. Et Allah est celui qui donne la réussite et le succès. » Tout ça c'est lié, mes frères. Celui qui espère mourir sur la voie du prophète, il se doit de s'écarter de toutes les causes du mal, notamment celle-ci. Un peu plus loin dans le chapitre, يقول المؤلف, c'est la page 191, هذه سبيل سلفنا الصالحين في التعامل مع كتب أهل الأهواء والبدع وما ذكرته ما هو إلا قطرة في بحر وقد كانوا يحذرون مما هو أدنى من ذلك ولكن لا حاجة لذكره لأنه قد يفهم على غير وجهه. يقول شيخ رسلان حفظه الله تبارك وتعالى: voici la voie de nos pieux prédécesseurs dans leur approche concernant les livres des gens de l'innovation et de la passion. Et ce que j'ai cité n'est juste qu'une goutte d'eau dans la mer. Non. Donc moi déjà je vous ai résumé le chapitre. Non. Cheikh Rassan il dit ce qu'il a cité lui dans ce chapitre n'est juste qu'une goutte d'eau par rapport à la mise en garde, ou les nombreuses et multiples mises en garde qu'ont faites nos pieux prédécesseurs concernant ce principe. Non. Ce n'est juste qu'une goutte d'eau dans la mer. Car ils mettaient en garde les pieux prédécesseurs pour moins que ceci. Pour des choses beaucoup moins graves que ceci, ils mettaient en garde. Ça fait ça, l'air. Dont ici, il n'est pas nécessaire de rappeler, car elles pourraient être comprises hors contexte. Non. Donc mes frères, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Non. Lorsque vous vous dirigerez vers une maktaba, une librairie pour acheter des livres, vous devez d'abord vous informer, prendre connaissance justement des livres que vous allez acheter, des auteurs. Non. N'achetez ou ne lisez que les livres des gens de la sunna. Et si possible, ceux qui ont eu un, ce qu'on appelle un tahqiq, c'est-à-dire une correction quant au, ou une étude quant aux hadiths qui ont été cités par l'auteur du livre, non, et aussi, si possible, des explications faites par nos savants contemporains, non, de ces livres-là. Taïb. وعن إسماعيل بن خارجة قال écoutez bien ici mes frères. وعن إسماعيل بن خارجة قال دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث قال لا قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا وقال تقومان عني وإلا قمت فقام رجلان فخرجا فقال بعض القوم ما كان عليك أن يقرأ آية لن يفعل شيئا يضرك وإنما يقرآن آية قال
إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقغر ذلك في قلبي. D'après Ismaïl ibn Kharija, qui a dit des hommes ou deux hommes, des gens de la passion, se sont présentés à Muhammad ibn Sirin, qui fait partie des premières générations de tabi'in, de successeurs, c'est-à-dire les successeurs des compagnons, et dire ô Abu Bakr, Abu Bakr c'est la kunya de Muhammad ibn Sirin, nous souhaitons te rapporter un hadith. Il dit non. Il dit, laisse-nous lire sur toi un verset du livre d'Allah. Il dit non. Puis il dit, levez-vous et partez, ou bien c'est moi qui me lève et qui pars. Les deux hommes se levèrent et partirent. Certaines personnes dirent, quel mal qu'ils te lisent un verset, ils ne te feront aucun tort en faisant ceci. Ils ne lisent jusque le Coran. Il répondit, il me répugnerait qu'il lise un verset en changeant le sens et que ceci s'installe dans mon cœur. Hein? Donc, il n'attache aucune confiance aux gens de la passion. Même s'il voulait lire un verset coranique ou rapporter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Mohammed ibn Sirin, rahimallahu tabaraka wa ta'ala, de par sa science et de par l'enseignement qu'il a reçu des sahaba, notamment l'enseignement de Aïcha, de Anas ibn Malik, de Abdullah ibn Omar et d'autres, il savait très bien que l'ambiguïté religieuse, elle ne rentre dans le cœur que furtivement, sans qu'on s'en rende compte. Non, elle ne rentre dans le cœur que furtivement. Donc personne n'est à l'abri. Donc celui qui a la science et le recul nécessaire, il va s'écarter bien avant que la personne vienne lui tenir propos ou lui parler. Âme à l'ignorant, il va écouter, et il va croire qu'il sera préservé de par sa science alors qu'il est ignorant. Et c'est à ce moment-là que des ambiguïtés religieuses toucheront son cœur. Et elles seront très dures par la suite à sortir. Allah nous en préserve. يقول المؤلف ختاما على هذا الباب فيا أيها الراغب في السنة اعتبر اعتبار أولي الأبصار وكن من كتب عصبة التعصب على تقية فإنها ليست بنقية وفيها دسائس خلفية وتبصر أي الفريقين أحق بالأمن من الهوى وغلبة العصبية واحذر العزو إليها فإن فوتها غنيمة والظفر بها هزيمة. Qui signifie, ô toi qui es ardent dans le suivi de la sunna, considère la considération qu'ont porté les doués de clairvoyance parmi les gens de science. Et sois alerte quant à ces livres des groupes fanatiques et sectaires. Car ils ne sont pas purs ou ne reflètent pas la pureté qui est celle de la charia, du livre d'Allah et de la sunna du prophète. Et comportent en eux des sous-entendus et des conjurations cachées. Et considère et observe lequel des deux groupes a le plus droit à la sécurité contre les passions et la domination fanatique et sectaire. Et prends garde de ta responsabilité que tu engages, Naam, concernant ce principe. Car, concernant al-asabiyya, c'est-à-dire le fanatisme et le sectarisme, si tu passes à côté, c'est-à-dire si tu t'en écartes, ça sera pour toi une ranime, un butin de guerre. Par contre, si elle a le dessus sur toi, alors tu seras mis en déroute. Non? Donc mes frères, de ce chapitre-là, on en déduit plusieurs choses. La première chose qu'on en déduit,
c'est adab mashru'iyyat an-nazar fi kutub al-mubtadi'a. Non? Adab mashru'iyyat an-nazar fi kutub al-mubtadi'a. Il n'est pas légiféré de regarder ou de lire les livres des gens de l'innovation. De même, on ne doit pas les offrir. Adam al-hiba wal-ijar wal-isti'ar nam wa-rahm. Le fait de les louer. Tu loues un livre, tu loues à quelqu'un, par exemple, t'es bibliothécaire, t'as des livres des gens de l'innovation, quelqu'un vient te voir, te dit je voudrais emprunter ou louer tel livre. Non. Tu dois d'abord considérer, tu as qui en face de toi? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais qui est connu pour sa science? Ou alors c'est quelqu'un qui est connu pour son ignorance? Si c'est le deuxième cas, tu n'as pas le droit de lui louer ce livre. De même de lui prêter, de même de mettre en gage ce genre de livre. Non. De même aussi de les offrir. Non, car tout ceci occasionne le préjudice à la personne. Deuxième chose aussi, adamul bay' wa shara. Ça rentre dans les mêmes choses. Le fait de vendre ses livres ou de les acheter. Sauf de vendre ces livres-là pour des gens qui viendront réfuter ces livres. Qui viendront lire ces livres pour les réfuter. Dans ce cas-là, et qui en ont la capacité. Dans ce cas-là, il est permis de le faire. Sinon, on n'a pas le droit de leur vendre ces livres. Non. De même, on n'a pas le droit d'acheter ce genre de livres. Sauf si c'est pour regarder dans ces livres-là, de feuilleter ces livres et de rechercher les propos des gens de l'innovation afin de réfuter sur eux. Mais comme l'avait dit Charles Al-Faymin, ceci est réservé à ceux qui en ont la capacité, non, qui ont le niveau de science nécessaire pour le faire. Aussi, comme on l'a vu, Mashru'iyatul itlaf. Il est permis, il est légiféré de détruire ce genre de livre. Non. Et ceci peut même être une des choses qui relève du gouverneur. Non. Gouverneur, ou sous l'ordre du gouverneur ou du dirigeant, il peut ordonner justement de brûler ce genre de livre ou de détruire ce genre de livre. Non. Et aussi, il ne faut pas aider à propager ce genre de livres. Non, que ce soit des livres physiques, non, ou alors que ce soit par Internet, non, en propageant des propos des gens de l'innovation, surtout sur Internet. Non. Des fois, on fait des copier-coller comme ça, sur des paroles de savants, alors qu'on ne sait même pas c'est qui. On ne connaît même pas son credo, sa croyance. On ne sait même pas le propos dans quel contexte il a été cité, il a été dit par l'auteur. Et nous, on se permet de faire des copier-coller comme ça et on les propage. Quand il faut faire attention à ceci, à toutes ces choses-là. Ce qu'on appelle le tahari. Non ? Il faut avoir toujours ce devoir de précaution. Taïm, mes frères. Voilà, Inch'Allah, pour ce chapitre. Donc ce chapitre, il est court, Inch'Allah. On aura l'occasion, Inch'Allah, par bribes, de revenir plus ou moins sur ces principes fondamentaux dans les cours suivants, Inch'Allah. Wa nas'Allah tabaraka wa ta'ala an yahdiyana wa yahdiya bina wa ja'alana sababan liman ihtada. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa aynin la tadma' wa qalbin la yakhsha' wa hasratin la tanqadhi. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi. بارك الله فيكم وقل رب زدني علما